Salut les gaufrettes! Ah, ça y est, le printemps est là. Oui, enfin, sur le calendrier, mais on n'est pas à l'abri d'un jour de pluie. Mais il en faut bien pour toutes ces fleurs qui commencent à arriver. C'est vrai. Dis, tu m'avais dit que tu avais choisi une recette à présenter, mais tu m'avais pas dit laquelle. Ah oui, c'est vrai, je voulais faire le biscuit préféré de Lucam en version XXL. Ah, découvrons ça ensemble avec le jeu de mercredi. On se lave les mains et... Direction cuisine! Pour la génoise, il faudra 3 œufs, 75 ml de sucre, 15 ml d'eau chaude, 5 ml d'arôme vanillé, 75 ml de maïzena, 20 ml de farine, 5 ml de levure chimique et 10 ml d'huile. Je sépare les jaunes des blancs à l'aide du séparateur. Dans le bol pousse, je bats les jaunes, l'eau, le sucre et la vanille jusqu'à ce que le mélange double de volume. J'ajoute la maïzena, la farine et la levure, puis je mélange avec la spatule en silicone. Dans le Speedy Chef, je monte les blancs en neige. Je les incorpore délicatement à la préparation, puis j'ajoute l'huile et mélange à nouveau. Je verse le tout dans le moule à garnir préparé et ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 10 minutes. Je démoule chaud. Pour la garniture et la finition, il faudra 250 g de confiture, 200 g de chocolat blanc, 15 ml d'eau, 15 g de beurre, un peu de chocolat noir. Dans le micro-cook, je verse la confiture. Et ça part au micro-ondes, une minute à 600 watts. J'étale la confiture sur la génoise. Dans le micro-cook, je fais fondre le chocolat blanc et l'eau, une minute à 600 watts. J'ajoute le beurre et mélange à la spatule en silicone. J'étale et lisse le chocolat blanc sur la confiture. Par-dessus, je dessine des lignes avec le chocolat noir fondu. Puis j'étire en perpendiculaire avec un cure-dent. Ça part au frigo pendant minimum 2 heures. Oh mais comme il va trop kiffer Lucas! Mais grave! N'oubliez pas de nous rejoindre sur Snap, Facebook et Insta pour jouer avec nous et gagner des fiches recettes. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions, vos réalisations ainsi que vos recettes préférées. Les liens en barre d'infos. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo.